Mesdames et messieurs les professeurs et chargés de cours, chers dignitaires, chers diplômés, mesdames, messieurs, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous guider dans les différentes étapes de cette cérémonie de collation des grades. Pour l'année universitaire 2016-2017, l'UQAR remettra 1291 diplômes au campus de Rimouski et de Lévis. Nous voilà réunis pour couronner les efforts de plusieurs étudiantes et étudiants en leur remettant ce diplôme tant mérité. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Nous tenons successivement deux cérémonies au cours desquelles près de 385 diplômes sont remis en votre présence. Mentionnons notamment que le prix d'excellence des diplômés de l'UQAR 2017 sera remis lors de la cérémonie de cet après-midi à M. Laurence Simoneau, diplômé de l'UQAR à la maîtrise en administration des affaires. Cette haute distinction vise à reconnaître la réussite et le parcours exceptionnel d'une personne diplômée de l'UQAR. Nous procéderons également cet après-midi à la remise de la médaille d'argent du programme de la médaille académique du gouverneur général à M. Jean-Philippe Pelletier, diplômé au baccalauréat en administration. Le 21 octobre dernier, deux cérémonies ont également été célébrées à Rimouski. Mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter les personnes de la tribune d'honneur. M. André Gérois, secrétaire général de l'Université du Québec. M. Jean-Pierre Ouellet, recteur de l'UQAR. M. François Deschênes, vice-recteur à la formation et à la recherche. Mme Marjolaine Viel, vice-rectrice aux ressources humaines et à l'administration. Mme Lucie Laflamme, vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification. Mme Élise Lacourcière, secrétaire générale par intérim. M. Frédéric Deschenaux, doyen des études. M. Léon Harvey, doyen aux affaires départementales. M. Philippe Hort, adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche. M. Romain Lavoie, registraire. De l'Assemblée des gouverneurs et membres du conseil d'administration de l'UQAR, M. Martin Maltais, professeur à l'unité départementale des sciences de l'éducation au campus de Lévis. Nous recevons également sur la scène, et je vous demande de les applaudir à la fin de chaque groupe, les professeurs du département des sciences infirmières, Mme Nicole Ouellet, Mme Isabelle Toupin, M. Daniel Milhomme, Mme Lily Lessard, Mme Danielle Boucher, Mme Dominique Beaulieu. Du département des sciences de l'éducation, Mme Julie Beaulieu, Mme Rakia Laroui, Mme Julie Melançon et Mme Lucie Dionne. Mentionnons également la présence dans la salle de chargés de cours du campus de Lévis. La cérémonie sera ponctuée par la musique de quatre musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis, Mme Anne-Alexandra Roulin, premier violon, Mme Marusa Gauthier, deuxième violon, M. Gabriel Bolduc, alto, M. Sigifredo Cavallini, violoncelle, sous la supervision de M. Louis-Mario Pelletier. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons entamer la cérémonie de collation des grades. Voici quelques directives pour commencer. Lors de la remise des diplômes, je vous prierai de ne pas applaudir après l'appel de chaque personne diplômée afin de ne pas prolonger la cérémonie indûment. Puisqu'il est difficile de prendre des photos pendant la cérémonie, un professionnel a reçu le mandat de photographier individuellement chaque diplômé présent. Au cours des prochains jours, ces photos seront disponibles sur le site Web de l'UQAR à l'adresse précisée dans le programme de la cérémonie. Toutefois, si vous souhaitez tout de même prendre quelques photos, il est possible de le faire à l'avant de la salle à ma gauche. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite maintenant le secrétaire général de l'Université du Québec, M. André Gérois, à nous adresser la parole. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le recteur,
chers collègues de l'Université du Québec à Rimouski, distingués invités, parents et amis, chers nouveaux diplômés. Au nom de la présidente de l'Université du Québec, c'est avec une grande fierté que je me joins à vous à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades. Cette fierté, vous en êtes les premiers artisans. Obtenir ce diplôme universitaire vous a conduit à développer vos talents et à déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Je m'associe également à la fierté de vos proches. Ils vous ont donné cette liberté d'affirmer vos ambitions en mettant à profit vos capacités et votre volonté de réussir. Ils ont accepté vos périodes de réclusion, vous ont aidé à surmonter les difficultés, ont souligné vos avancées et se sont réjouis de vos succès. N'oubliez pas que leur rôle a été déterminant dans l'obtention de votre diplôme. Je les remercie en votre nom pour leur présence, leur soutien et leur encouragement. Je partage enfin ce sentiment de fierté avec votre université, ses professeurs, ses chargés de cours, sa direction et l'ensemble de son personnel. Ils vous ont soutenu et accompagné dans vos apprentissages et dans votre parcours étudiant. Vous êtes le cœur de leur travail, au cœur de leurs priorités. Vous avez découvert au campus de l'UQAR à Lévis une grande université à taille humaine qui sait s'adapter aux réalités contemporaines de ses étudiants en proposant notamment une diversité de cheminements. Comme société, il est primordial de s'assurer de lever les contraintes qui freinent l'accès aux études universitaires à tous ceux qui en ont les aptitudes et la volonté. Et c'est ce que l'UQAR réalise jour après jour. Sachez qu'un étudiant sur deux est inscrit à temps partiel et 3 sur 4 combinent le travail avec les responsabilités familiales avec les études. L'accès à une formation de haut niveau, partout sur le territoire québécois, est au cœur de la mission de l'UQAR et des 9 autres établissements universitaires de l'Université du Québec. À chaque année, ils accueillent plus de 100 000 étudiants. De même, les 10 établissements décernent le tiers des diplômes universitaires au Québec à chaque année. Aujourd'hui, vous vous joignez donc aux 673 000 personnes diplômées de la grande famille de l'Université du Québec depuis sa fondation, il y a bientôt 50 ans. L'UQAR a de quoi être fier. Depuis sa fondation en 1969, c'est près de 43 700 diplômés qui, comme vous, déploient maintenant leurs talents et leurs savoirs. Avec une réputation qui transcende les frontières, elle accueille des étudiants, des professeurs et des chercheurs en provenance de l'ensemble du Québec et de l'étranger. L'apport de l'UQAR au développement et au partage des connaissances engendre des résultats tangibles, non seulement dans ses régions d'attachement, mais également partout à travers le monde grâce à son rayonnement international. Vous avez fait un bon choix de poursuivre vos études dans cette grande université. L'avenir repose sur le savoir, la créativité et l'innovation. Pour maintenir la prospérité, le Québec doit miser sur une main-d'œuvre qualifiée, inventive et ouverte sur le monde grâce à un système d'éducation en constante évolution, et vous en faites partie. Les diverses études démontrent un lien direct entre le niveau de scolarité atteint, le taux d'emploi et la capacité de la population à s'adapter à un marché du travail de plus en plus axé sur le savoir. Le rôle des universités dans ce système est crucial. Plus que jamais, il faut considérer l'éducation comme un investissement dans l'avenir de la société. Chers diplômés, votre cheminement scolaire a été certainement une grande aventure. Un parcours d'études universitaires, c'est en effet bien plus qu'une démarche intellectuelle. C'est une aventure humaine qui comporte des dimensions culturelles et sociales d'une grande portée et qui expose l'étudiant à une grande diversité de points de vue. Peu de lieux ont autant à offrir que l'université. Et cette aventure est d'autant plus extraordinaire qu'elle se poursuit vers d'autres défis. Gardez donc à l'esprit que vous êtes des modèles pour votre entourage, et plus particulièrement pour les jeunes qui vous suivent. Par votre travail, vos actions, vos encouragements, soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de l'aventure universitaire. Poursuivez dans vos milieux la tradition d'excellence de l'UQAR. En terminant, je vous réitère toutes mes félicitations.
Je vous souhaite une carrière à la hauteur de vos aspirations. Le bonheur de continuer d'apprendre tous les jours, de partager vos connaissances et de contribuer à un devenir collectif qui inspire les prochaines générations. Et retenez ce proverbe japonais. On commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, je vous offre en terminant ces quelques mots du poète libanais Gibran et je cite « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Je vous souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. J'espère que vous garderez toujours une place dans votre cœur pour l'Université du Québec à Rimouski, un fleuron de ce réseau d'établissements qui contribue à construire l'avenir du Québec. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. J'invite maintenant le recteur de l'UQAR, Monsieur Jean-Pierre Ouellet, à nous adresser la parole. Monsieur le recteur. Monsieur le Secrétaire général de l'Université du Québec, chers collègues de l'Université, distingués invités, chers parents et amis, et bien sûr vous, chers diplômés. D'abord, mes félicitations pour ce bel accomplissement que nous célébrons aujourd'hui. Le diplôme que nous vous remettrons dans quelques instants symbolise votre réussite. Il témoigne de tous les efforts que vous avez déployés et de la détermination dont vous avez fait preuve. Si vos parents et amis sont présents ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour fêter avec vous, mais également parce qu'ils ont été là, à côté de vous, tout au long de votre parcours. J'aimerais leur souhaiter une bienvenue toute particulière et vous demander, chers diplômés, d'applaudir avec moi chaleureusement leur contribution à votre parcours. Merci. Chers diplômés, il y a quelques années déjà, vous avez pris la décision d'étudier à l'UQAR. Merci d'avoir fait ce choix. Tout au long de vos études, vous y avez côtoyé des étudiantes et des étudiants aux profils fort diversifiés. Il est en effet loin le temps où la grande majorité des étudiantes et des étudiants avaient un parcours linéaire allant de l'école primaire et secondaire au cégep, puis à l'université. Aujourd'hui, interruption des études, retour aux études, conciliation travail-études, famille-études et bien souvent famille-travail-études sont monnaie courante. Ces parcours diversifiés sont souvent parsemés d'embûches et plusieurs d'entre vous ont dû en surmonter un grand nombre pour être ici parmi nous aujourd'hui. Pour illustrer mon propos, je demanderai aux personnes qui reçoivent aujourd'hui un diplôme et qui ont eu à faire leurs études tout en ayant une charge parentale de se lever. J'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous. Donc, vous voyez quand même l'effort que ces gens-là ont dû surmonter, le travail supplémentaire pour être capables d'obtenir leur diplôme. Merci. La réussite est le signe de votre détermination. Détermination qui constituera toujours un atout indéniable dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. D'autres étudiantes et étudiants que vous avez côtoyés, peut-être même dans bien des cas sans vous en rendre compte, parce qu'ils sont en situation d'handicap, ont dû surmonter des difficultés encore plus grandes pour réussir chacun de leurs cours et obtenir leur diplôme. Je les félicite tout particulièrement aujourd'hui, tout en soulignant le travail de ceux et celles qui les ont accompagnés tout au long de leur programme de formation. Je remercie toutes les personnes de l'UQAR, professeurs, chargés de cours et membres du personnel pour le soutien fourni. La diversité de nos diplômés s'étend également à leur provenance géographique. C'est plus de 400 personnes provenant d'une quarantaine de pays qui étudient à l'UQAR. Certains choisiront de rester ici et permettront notamment de contribuer à la pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons actuellement. D'autres feront profiter de leurs connaissances et de leurs compétences les sociétés d'où ils proviennent ou encore celles où ils choisiront de s'établir. Qu'importe l'endroit de la planète où la vie les mènera, je suis persuadé qu'ils garderont des liens privilégiés avec l'UQAR et le Québec. Leur présence à l'UQAR a très certainement enrichi l'expérience de formation
de tous leurs collègues et amis, fournissant ainsi à celles et ceux qui ont étudié à leur côté une fenêtre sur le monde. Vos études universitaires, en vous ayant appris à apprendre, vous ont particulièrement bien préparé à affronter les défis qui se présenteront. Votre audace, les innovations que vous proposerez, l'imagination dont vous ferez preuve, le souci d'adaptation à un environnement changeant que vous manifesterez sont les gages de votre succès et de la qualité de vos implications dans votre vie professionnelle et citoyenne. Dans les semaines et les mois qui viennent, vos connaissances et vos compétences attestées par votre diplôme vous permettront, si ce n'est déjà fait, d'obtenir l'emploi convoité ou d'accéder à la promotion souhaitée. Lors de la cérémonie de collation des grades qui suivra celle-ci, un diplômé de l'UQAR recevra le prix d'excellence des diplômés, une distinction que nous remettons annuellement à l'un de nos 48 700 diplômés. Cette année, le prix sera remis à M. Laurent Simoneau, cofondateur de l'entreprise Coveo, entreprise qui a vu le jour l'année même qu'il a obtenu son diplôme de l'UQAR. Coveo est considéré comme un leader mondial dans le domaine de la recherche intelligente en entreprise. Coveo embauche actuellement 300 personnes et elle a des bureaux à Québec, Montréal, San Francisco, c'est-à-dire au cœur même de la Silicon Valley, et Amsterdam. Vous voyez, ce diplômé montre que c'est possible. Il faut croire en ses rêves, mettre les énergies et foncer. Mais quelle que soit votre implication professionnelle, je vous invite également à contribuer en tant que citoyen au développement social, culturel et économique de vos milieux, de vos communautés. Agissez, soyez les leaders de changement. Vous êtes particulièrement bien formés pour le faire. Comme l'évoque si justement notre diplômé bien connu, Moukar Diouf, récipiendaire du prix d'ailleurs d'excellence des diplômés 2016, et je cite, « Je ne plante pas cet arbre pour moi. Je le plante pour les générations qui continueront à vivre sur cette terre dans 100 ans. Les arbres qui nous nourrissent aujourd'hui n'ont-ils pas été plantés par nos ancêtres? Maintenant que nous avons bénéficié de la générosité de ceux qui nous ont précédés, nous devons faire la même chose pour les prochaines générations. » Désormais, chers diplômés, tout comme M. Simoneau, récipiendaire du prix d'excellence des diplômés de l'UQAR, vous faites partie de l'histoire de notre université, de son présent et de son futur. Aujourd'hui et demain, nous vous confions la mission de devenir nos meilleures ambassadrices et ambassadeurs en participant au rayonnement de l'UQAR. Je vous invite également à continuer d'entretenir des liens forts avec votre université, votre alma mater. Bonne célébration et revenez nous voir, vous serez toujours chez vous à l'UQAR. Merci. Le doyen des études, M. Frédéric Deschenaux, fera maintenant la présentation des personnes diplômées de premier cycle. Le recteur, M. Jean-Pierre Ouellette, et le registraire, M. Romain Lavoie, procéderont à la remise des diplômes. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre les diplômes aux finissantes et aux finissants de leur programme respectif. La secrétaire générale par intérim, Mme Élise Lacourcière, accompagnera les diplômés au moment de la signature du livre d'or. Je vous invite déjà à prendre place. Monsieur le doyen. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de doyen des études, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les bachelières et les bacheliers qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai pour le campus de Lévis le nombre total de diplômés et j'indiquerai combien parmi eux sont présents aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Commençons avec l'appel nominal des diplômés au baccalauréat en sciences infirmières. Heureuse nouvelle pour les effectifs de notre système de santé, dans ce programme, 153 étudiantes et étudiants ont obtenu leur baccalauréat. 65 d'entre eux sont présents aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Le baccalauréat en sciences infirmières les prépare à assumer les responsabilités professionnelles accrues dans la pratique des soins infirmiers auprès des personnes, de la famille et de la communauté.
J'invite Mme Isabelle Toupin, responsable de ce programme, à s'avancer pour remettre les diplômes. Cindy Arsenault Leblanc. Émilie Bédard. Marie-Élise Bélanger. Joanie Bélanger-Pelletier. Catherine Bernier. Samantha Bernier. Marie-Pierre Bolduc. Lydia Bruno. Sophie Caron. Valérie Caillouette. Stéphanie Cosato. Karine Coutu. Karen Cyr. Sabrina Doyon. Martine Fortier. Nathalie Fortier. Audrey Gagnon-Gamache. Marie-Hélène Gauvreau.
Mélanie Gendron. Jessica Giguère. Martine Gilbert. Kathleen Girard. Marie-Ève Gay. Caroline Allé. Marie-Claude Hamel. Lisanne Harton-Pelletier. Caroline Huot. Mélina Jacques. Alex Lapointe. José Lavoie. Luce Lavoie. Chloé Leblanc. Patricia Leblanc. Audrey Leblond-Pelchat. Jody Lehoux. Mélissa Lemieux. Andréanne Lepage.
Sandy Lessard. Andréane Mecto. Maggie Mercier. Catherine Miville. Catherine Morneau. Karine Nadeau. Sania Normand. Élise Paquet. Audrey Pépin. Frédéric Pépin Dion. Mélina Perrault. Nadège Naomi Pierre. Théa Félicia Pilon. Erika Pomerleau. Claudia Roberge. Marie-Lisa Rousseau. Valérie Roussel. Natacha Roy. Annick Simard.
Eliane Simard. Alexandre Saint-Laurent Giguère. Stéphanie Saint-Pierre. Jeanne Thivierge. Vicky Tremblay. Cynthia Turcotte. Sandra Vachon. Karine Vaillancourt. Carlos Vasquez Varas. Appelons maintenant une bachelière S-Sciences. Dans ce programme, 5 personnes ont obtenu leur baccalauréat par cumul de certificats. Geneviève Hébert. Merci, Madame Toupin. Poursuivons la cérémonie avec la présentation des programmes en sciences de l'éducation. Débutons avec l'appel nominal des diplômés du programme de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale. J'invite Madame Julie Beaulieu, responsable de ce programme, à venir remettre le diplôme à 35 de ses étudiantes et étudiants présents à la cérémonie. Dans ce programme, 62 étudiantes et étudiants ont obtenu avec succès leur diplôme et sont maintenant prêts à intervenir et accompagner des élèves à risque en situation de handicap ou en difficulté. Marilène Audet. Alexandra Barrio-Baudin. Lauriane Bédard. Marie-Pierre Bérubé. Marie-Laurence Brouard. Claudie Brown.
Julie, Châteauvert, Massicotte. Roxane Chouinard. Amélie Cloutier. Rosalie Côté. Océane Dusty. Marie-Lise Dufour-Lavoie. Marianne Dupré. Annabelle Filion. Catherine Flamand. Caroline Fortier. Cassandra Gagnon. Andréanne Gauthier. Rachel Gendron. Anne-Sophie Hamel. Maude Lajoie. Annabelle Lambert. Livia Landry. Catherine Lebel. Catherine Leclerc. Jesse Lévesque.
Élisabeth Ménard. Stéphanie Ouellette. Joanie Pépin. Frédéric Pilote. Joanie Roy. Claudia Thériault. Marie-Andrée Tourville. Alexandra Tremblay. Natacha Tremblay. Merci, Madame Beaulieu. Guider les élèves dans leurs premiers apprentissages scolaires, c'est cultiver le goût d'apprendre et de l'enraciner pour la vie. Nos prochains diplômés passionnés d'éducation l'ont compris. J'invite Mme Julie Mélenchon, responsable du programme de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, à s'avancer pour remettre 50 des 55 diplômes à ses futures enseignantes. Caroline Adams. Émilie Barré-Boulet. René-Claude Bergeron. Amélie Bérubé-Morin. Laurence Bilodeau. Marie-Pierre Bolduc. Mélissa Bolduc. Catherine Bossinotte.
Claudie Bouchard-Jalbert. Marie-Pierre Breton. Sabrina Brochu. Léa Brousseau. Geneviève Campbell. Gabrielle Caro Lebel. Joanie Carrier. Stéphanie Carrier. Gabrielle Demers. Sabrina Deschaines. Isabelle Desjardins. Stéphanie Drouin. Sarah Dubé. Noémie Dubé-Caron. Judy Dubois. Audrey Duval. Marie-Ève Forêt Couture. Véronique Gagné. Karine Gauthier. Jessica Hamel.
Marie-Christine Houde. Cynthia Isabelle. Stéphanie Lalonde. Valérie Lambert. Caroline Landry. Geneviève Larochelle. Catherine Larrivée-Thibault. Marie-Christine Lehoux. Cassandra Lheureux. Joannie Mercier. Anne-Sophie Morin. Sonia Morissette. Roxane Nadeau-Couture. Catherine Pichet. Jacinthe Poulain. Mélissa Rancourt. Gabriel Frédéric Richard. Caroline Rioux. Lisa-Marie Rivard.
Émilie Roy. Roxane Thibault. Justine Tremblay. Madame Mélenchon, veuillez demeurer à l'avant pour la prochaine remise de diplôme. Procédons maintenant à l'appel nominal des diplômés au programme de baccalauréat en sciences de l'éducation. Madame Mélenchon remettra les deux diplômes décernés cette année à Audrey Charlebois Allais. Caroline Rioux. Terminons avec l'appel d'une bachelière en éducation. Madame Mélenchon remettra le diplôme à Mélina Dufour. Merci, Madame Mélenchon. Poursuivons avec l'appel nominal de deux des 11 finissantes et finissants du programme de baccalauréat en enseignement professionnel. Ce programme s'adresse aux personnes qui enseignent déjà ou souhaitent enseigner dans un centre de formation professionnelle. Madame Lucie Dionne, responsable de ce programme, leur remettra leur diplôme. Éric Saint-Don. Yannick Saint-Hilaire. Merci, Madame Dionne. L'appel nominal est maintenant terminé. Nous pouvons applaudir nos bachelières et nos bacheliers. Merci, Monsieur le Doyen. Avant de poursuivre la présentation des finissantes et finissants au deuxième cycle, quelques diplômés tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans l'obtention de leur diplôme et à leur signifier leur appréciation aux personnes qui les ont inspirées tout au long de leurs études. J'invite ces nouvelles diplômées à s'avancer. Madame Livia Landry, diplômée au baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire et sociale. Madame Théa Félicia Pilon, diplômée au baccalauréat en sciences infirmières. Madame Laurence Bilodeau, diplômée au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire. Et Madame Joanne Lavoie, diplômée à la maîtrise en sciences infirmières.
Bonjour à tous, diplômés, collègues enseignantes, parents, amis, professeurs et chargés de cours de l'UQAR. Mon nom est Laurence Bilodeau, je suis diplômée en enseignement préscolaire et primaire et c'est véritablement un honneur pour moi de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. En cette journée de collation des grades, honnêtement, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir été choisie pour pouvoir parler aujourd'hui. Donc, d'abord, je souhaite féliciter mes collègues universitaires. À nous toutes, je nous dis un énorme bravo. Bravo d'avoir compléter ces 4 années, mais aussi d'avoir choisi le plus beau métier du monde, celui qui nous permet à chaque jour de travailler avec des petits êtres tellement attachants et qui nous permet de pouvoir nous dépasser constamment et d'avoir un impact dans la vie de certains jeunes. Je tiens aussi à remercier les membres des familles qui sont présents. À travers les 4 dernières années, nous avons vécu plusieurs émotions. Plusieurs travaux, du stress d'examen, 4 stages demandants, des remplacements, des entrevues. Merci. Merci pour votre patience et pour votre soutien dans tous les moments importants de notre vie. C'est véritablement un plaisir aujourd'hui de partager ce moment avec vous. J'en profite aussi pour remercier quelques professeurs qui ont marqué positivement notre passage à l'UQAR. L'UQAR, c'est comme une petite famille. Les enseignants nous connaissent et c'est vraiment agréable. Dans les circonstances, je ne pourrai pas nommer tous les enseignants qui ont fait mon parcours universitaire, mais laissez-moi en nommer quelques-uns qui ont véritablement marqué le mien. Michel Marchand, Martin Gendron, Marie-Hélène Duguay, Brigitte Carrier, Jean Bruno, Marie-André Pelletier et Julie Mélenchon, merci. Merci d'avoir été aussi passionnés et de nous avoir transmis vos connaissances. Grâce à vous, notre passage à l'UQAR restera gravé dans nos mémoires et je vous suis infiniment reconnaissante. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de cérémonie et à vous, chères enseignantes, je vous souhaite tout le bonheur et tout le succès du monde. Bonjour, mon nom est Théa Félicet-Pilon. Je suis diplômée, je suis bachelière en sciences infirmières. On m'a demandé de rendre un discours sur ce qui a été déterminant pour moi durant tout mon parcours. Ma réussite passe tout d'abord personnellement par mon projet d'intégration en sciences infirmières. C'est un projet qui a été extrêmement important pour moi, très révélateur. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de celle qui m'a guidée dans tout cela. Madame Joanne Hébert n'est pas présente ici aujourd'hui, mais ses collègues leur diront tout mon remerciement, la qualité de son travail, son support, ses encouragements et tout. Désolée, je suis stressée. Je n'ai pas l'habitude de faire ça tous les jours. Donc, une phrase aussi pour remercier tous mes collègues et amis à mon travail. Leur soutien, leur encouragement, ils ont été grandement impliqués dans ce projet-là pour moi. Je prends aussi cette minute pour remercier tout le travail des chargés de cours et professeurs. Sont grandement aussi impliqués pour nous, sont dévoués, ils ont beaucoup d'expérience. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir leur rendre hommage aujourd'hui. Ensuite, ça serait trop long d'énumérer, comme la jeune fille avant moi a dit, il y a beaucoup de chargés de cours et professeurs qui nous ont marqués, mais je tiens à vous remercier tous et toutes. Donc, et comment pourrais-je les oublier pour terminer cette minute de discours? Mon conjoint et ma famille qui ont été présents tout le long de ce parcours, mais haut et bas, donc je vous laisse imaginer. Les réussites, les échecs, on en rencontre des embûches durant tout ce parcours-là. Ils ont été là depuis le début. Merci, je serais qui sans vous? Je serais quelqu'un, là, mais ça aurait été complètement différent. Donc, excusez. Donc, vous avez été vraiment important pour moi. Merci d'être qui vous êtes. Et sans vous, ça aurait été différent. Je vois pas, il fait noir. Donc, je peux pas, mais je termine par un proverbe africain qui m'a beaucoup inspirée, qui a été apporté tout d'abord à mon travail. « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Donc, c'est vraiment ma devise. On travaille tous ensemble, on va plus loin. Puis l'expérience de tous et chacun, l'implication de tous et chacun ont fait en sorte que je suis ici, je suis rendue là aujourd'hui. Merci de votre écoute.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis ici aujourd'hui. En fait, mon nom est Livia Landry. Je suis bachelière en adaptation scolaire et sociale. Donc, je suis ici pour vous témoigner, en fait, des personnes marquantes dans mon parcours universitaire. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier les professeurs et les chargés de cours qui ont su partager avec nous, avec brio, leur savoir et aussi leur passion pour l'enseignement. Donc, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont marqué, en fait, tous les étudiants qui ont marqué aussi mon parcours, parce que j'ai rencontré, en 4 ans, on rencontre quand même beaucoup de personnes. Donc, j'ai rencontré des gens en travaillant au pub de l'université, j'ai rencontré des gens en allant à mes cours, j'ai rencontré aussi des gens en allant m'entraîner, mais j'ai aussi rencontré des gens lors de mon stage au Maroc. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes très importantes. L'UQAR a été pour moi une deuxième maison. J'ai passé beaucoup de temps à l'université. J'étais plus souvent à l'université que j'étais chez moi. Donc, c'est grâce à toutes ces personnes et à tout ça. Donc, je suis la personne que je suis présentement, que j'ai eu la chance de prendre davantage confiance en moi. Donc, sur tout ça, je vous souhaite à tous les diplômés un bon succès dans votre prochaine profession. Bonjour à tous. Mon nom est Joanne Lavoie. Je suis infirmière et diplômée à la maîtrise en santé mentale et soins psychiatriques. D'abord, je veux féliciter tous les finissantes et finissants. Remercier Mme Boucher de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir livrer un court témoignage. Donc, il y a 6 ans, je voulais les mêmes planches pour recevoir mon diplôme de bac en sciences infirmières. En voyant les diplômés de deuxième cycle, une idée folle, furtive m'a traversé l'esprit. Pourquoi pas moi? Me voici aujourd'hui. Donc, et 1 an plus tard, je m'embarquais dans cette grande aventure-là qu'est la maîtrise en sciences infirmières. Pleine de détermination, mais également avec mes doutes, mes inquiétudes, mes craintes. À mon tout premier cours, la professeure Isabelle Toupin, pour ne pas la nommer, a mentionné une pensée qui m'a suivie tout au long de mon parcours. Vous savez comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Alors, on l'a mangé, notre éléphant. Je suis fière du chemin parcouru et de participer à ma façon à la pratique infirmière avancée en santé mentale. Je tiens à remercier tous les professeurs qui m'ont accompagnée et, grâce à leur savoir, m'ont permis de devenir une meilleure professionnelle, mais également une meilleure personne. Je tiens également à remercier mon conjoint, Pascal. Je ne sais pas trop où tu es, mais une chance que tu aies été là. Et je suis motivée. Grâce à toi et à ton soutien, j'y suis arrivée, on y est arrivé. Alexis, Juliette, mes filles, Vous me donnez la force, le courage de toujours me dépasser, de donner le meilleur de moi-même. À vous deux, ayez toujours confiance en vous et croyez en vos rêves. Je vous aime. Merci beaucoup, mesdames, et félicitations à toutes. Le vice-recteur à la formation et à la recherche, M. François Deschênes, fera la présentation des diplômés de deuxième cycle. J'invite à nouveau M. le recteur à effectuer la remise des diplômes avec la collaboration de M. le registraire. La secrétaire générale par intérim accompagnera à nouveau les diplômés pour la signature du livre d'or. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre le diplôme aux finissantes et aux finissants de leur programme respectif. M. le vice-recteur. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-recteur à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés de cycle supérieur qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai, pour le campus de Lévis, le nombre total de diplômés et j'indiquerai combien parmi eux sont présents aujourd'hui pour recevoir leur diplôme.
Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Nous entamerons ce volet de la cérémonie avec la présentation des finissants des programmes de maîtrise. Vous remarquerez que ces nouveaux diplômés portent l'épitoge des cycles supérieurs aux couleurs de l'UQAR. Débutons avec 3 des 5 diplômés du programme de maîtrise en éducation. M. Martin Maltais, professeur, remettra les diplômes. Alexandra Auclair. Soulignons que Mme Auclair a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Par cette attribution, l'UQAR souligne l'excellence de son dossier universitaire. Marjorie Boulet. Joanie Plot. Merci, M. Maltais. Nous terminerons avec l'appel nominal de 2 diplômés du programme de maîtrise en sciences infirmières. Madame Danielle Boucher, responsable des programmes de cycle supérieur en sciences infirmières, leur remettra leur diplôme. Joanne Lambert. Joanne Lavoie. Catherine Fortin. Soulignons que Mme Fortin a également reçu une mention d'excellence de la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Merci, Mme Boucher. Ici se termine l'appel nominal des diplômés de cycle supérieur. Applaudissez chaleureusement ces diplômés. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je tiens à remercier nos excellents musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. Je remercie aussi les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de plus de 25 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous la coordination de Mme Nicole Poirier, qui contribue à la réalisation de cet événement. Avant de dire au revoir officiellement aux diplômés de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier, qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Alors, sans plus attendre, j'invite les diplômés à s'avancer. Et les autres diplômés dans la salle peuvent aussi procéder de leur place au lancer du mortier. D'autres braves? Alors, chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance!